monsieur corollaire est propriétaire de l'étalon, il le fait fonctionner, il le met sur ses juments, il a donc mis sur Kilkenny, et Kilkenny qui est une gagnante en plat et en obstacle. En obstacle, elle avait gagné à Pontivy, et elle a pour l'instant trois poulains. Allez, on va marcher s'il vous plaît. Sur la piste. Bien écarté l'un de l'autre. Laissez la souche. Marchez, marchez. Barbaré pour les plus âgés. D'entre nous, Barbaré avec le fameux Récif et Thalassa, mais surtout Récif qui avait gagné beaucoup et qui s'était placé, pardon, à Auteuil, ce qui n'était pas. Allez, revenez maintenant. Monnaie courante. Et donc, on a Daska River qui, elle, s'est placée en plat et qui a donné, je dirais, le petit phénomène, je cherchais son nom l'autre jour, Loride, était un poulain AQPS qui gagnait contre les pur sang en plat et il portait, je crois, la casaque du président de Questembert. Rendez-vous compte, 12 victoires en plat, c'est pas rien, et il ne les a pas gagnés contre les AQPS, donc c'est un poulain. Vous le lâchez et vous allez courir le long de la barrière, bien la mer collée à la barrière. Attends. Collez-vous à la barrière, madame. Non. Voilà. Nous assistons au trotting de la pouliche. Du mal, sur le soleil. Allez, non, monsieur. Donc la mère Kilkenny est par Ongaro, Dan the River devant. Et on trouve encore le sang de mon. Allez, trottez. Vous voyez bien, la pouliche est dans un trou délié. Hop.